Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant donc les coques. Encore une fois, vous avez vu, hein, en ce moment j'arrête pas de faire des vidéos par rapport donc aux coques d'iPhone, etc. Là j'ai fait les 7, 8X, etc. Donc maintenant on va s'intéresser plutôt aux coques d'iPhone 5, 5S et SE, parce que encore une fois, au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, l'iPhone SE a exactement le même design que l'iPhone 5 et que l'iPhone 5S, d'accord ? Sur l'iPhone SE, c'est juste les composants qui changent. En bref, hein, voilà, c'était le petit bref. En tout cas, j'espère que vous aimez bien ce style de vidéo. Si c'est le cas, je sais que je vous le demande au début de la vidéo, mais si vous aimez ce style de vidéo, s'il vous plaît, soutenez-moi en mettant un petit like et un petit avis dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je sais pas trop votre avis, du coup, parce que vous ne commentez plus assez, etc. Voilà, n'oubliez pas d'activer les notifications aussi. Je sais que je le dis au début de la vidéo, mais c'est hyper important parce que j'ai fait des lives et des vidéos, vous avez vu qu'il y a des gros problèmes sur la chaîne concernant les notifications, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, et de me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont tous dans la description encore une fois aussi, et donc c'est hyper important, comme ça vous pourrez être tenu au courant des nouvelles vidéos, etc. en me suivant sur différents réseaux, tout est dans la description. Commençons donc avec la première coque de l'iPhone 5, 5S et encore SE. Donc c'est une coque style bumper, donc là c'est une coque donc en silicone, une coque qui est flexible et qui est plutôt résistante, et on constate également que c'est quand même une marque, hein, c'est Spigen, et les avis sont plutôt bons, hein, sont plutôt positifs. On est toujours sur des coques qui sont à moins de 20€, donc à savoir 9,99€. Je m'excuse d'avance, d'ici que je sorte la vidéo, si Amazon change les prix, c'est pas moi qui décide, hein. Mais voilà. Donc on est sur une coque qui est plutôt élégante. Alors élégante, oui, disons qu'elle est assez élégante, on va dire qu'elle est élégante, qu'elle est résistante. Et en plus, elle est simple, voilà. Elle est simple, elle fait pas trop, voilà. Elle est simple, elle se met un petit peu partout, elle irait un peu partout, et c'est ça qui est cool. Donc, faut savoir également donc qu'elle est, voire très résistante par rapport donc à sa texture là en carbone, etc. C'est plutôt assez sympa. Alors niveau design, elle est jolie, elle est un petit peu élégante, mais c'est pas non plus le top du top. Là, je vous conseille cette coque parce que déjà c'est une coque, c'est de la marque, et qu'elle est flexible, qu'elle est en style bumper, et qu'elle est pas non plus trop dégueulasse, et qu'elle résiste, hein, c'est du caoutchouc machin et tout, donc elle est résistante quand même, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous conseille cette coque également. Donc on peut apercevoir vraiment qu'il y a quand même des trucs qui ont été certifiés par rapport à la protection cette fois-ci. Alors je sais que quand on va regarder une coque sur internet, sur Amazon ou autre, ils vont tous dire ouais, vous inquiétez pas, anti-choc, etc. Sauf que si c'est de la marque cette coque, si c'est de la marque, et s'il y a des certifications, bon ben là c'est bien, c'est beaucoup, là on peut vraiment avoir une confiance bien plus importante que sur d'autres coques où ce n'est pas de la marque, où il n'y a pas non plus une certification. On sait tous que Spigen c'est quand même une bonne marque de coque. Donc là honnêtement je vous dis, si ce style de coque vous intéresse, ben foncez, clairement foncez, voilà. Donc, et c'est ça qui est cool, hein, voilà. Et le truc c'est qu'elle va vraiment protéger partout sur l'iPhone, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je vous la conseille, bien évidemment tous les liens des coques sont dans la description, dans l'ordre, donc il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous faire une fiche technique détaillée de chaque coque, vous aurez les liens dans la description, je vous fais une petite présentation et des conseils ou des idées de cadeaux ou pour vous. Donc passons à la deuxième coque, qui est une coque, alors j'ai envie de dire un peu plus ordinaire. Donc c'est une coque, donc là c'est un pack cette fois-ci, attention, c'est un pack de 3 coques pour 8€ au lieu de 28€. Donc là vous me direz, si le prix revient, vous me direz ouais mais c'est du 28, moi je vous répondrai ouais mais c'est un pack de 3 donc là ça change un petit peu la donne. Alors je ne vous garantis pas une super marque, mais les avis sont quand même assez bons. Donc après voilà, vous avez vraiment un choix, vous avez du noir, du bleu foncé, du bleu foncé, du bleu nuit et du blanc qui se marierait donc je pense qu'avec votre iPhone, qui soit de n'importe quelle couleur entre guillemets. Et en même temps, je sais pas, vous allez demain vous habiller tout en bleu, bon allez vous sortez une coque en bleu par exemple, demain vous habillez tout en noir, vous sortez une coque tout en noir par exemple, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est que voilà, ça sera vraiment accordé à n'importe quelle couleur, et c'est ça qui est cool. Mais du coup, vu qu'il y a ce pack de 3, donc on nous dit que c'est une coque en silicone, donc on nous dit qu'elle est souple également, on nous dit qu'elle est résistante également. Je pense, honnêtement, je pense, hein, ça a l'air d'être un silicone caoutchouté, donc ça a l'air sympa. Encore du style bumper, donc bien évidemment, hein, vous achèterez le verre trempé ou votre le verre trempé tout simplement.
Donc voilà, moi je vous la conseille également. Donc vous avez le pack à 8€, donc de ces trois couleurs, ou le deuxième pack à 8€ également, du rouge, du menthe verte et du blanc aussi. Donc je vous montre ici, ce sera quand même mieux. Je suis désolé, le Mac il est un peu long là d'un coup. Bref, voilà, donc là on se dirait ce serait plus pour du style d'iPhone de couleur or, etc. J'ai envie de dire entre guillemets, enfin plus pour les filles en tout cas. Donc au moins, voilà, il y en a pour tout le monde, hein, il y en a pour tous les goûts, c'est nickel. Passons à la troisième coque, encore une fois, tous les liens sont dans la description. J'ai choisi ce style de coque parce que comme vous avez pu voir mes dernières vidéos, je l'espère d'ailleurs, par rapport aux coques, je vous avais présenté ce style de coque pour les iPhone X et 7, 8. Vous savez, les coques portefeuille là, est-ce que je vais vous montrer un... Voilà, c'est un peu ce style de coque portefeuille, vous voyez, celui-là par exemple, d'accord, celui-là. Eh bien, là, je préfère ce style de coque parce que vous pouvez ranger vos cartes, donc c'est pas forcément un style portefeuille, vous pourrez pas ranger beaucoup plus de choses que dans une coque portefeuille entre guillemets ordinaire, mais au moins vous pourrez ranger des cartes, ou des cartes bancaires, des cartes vitales ou tout autre type de cartes, et c'est ça qui peut être cool également. Nous sommes sur du 17€, d'accord, donc encore une fois à moins de 20€, mais c'est une promo, donc à faire attention que ça ne remonte pas à 25€, dépêchez-vous. Voilà, donc bien évidemment, là, il y a plusieurs coloris qui vont s'offrir à vous, hein. Vous pouvez le voir, vous avez du Wood Geo, vous avez donc du Tribal, vous avez vraiment plein de choses, du Rose Fuchsia. Alors, en design, ok, je suis pas super fan, honnêtement, je suis pas super fan du design non plus. Mais encore une fois, c'est un style de coque portefeuille et c'est ça qui est également cool, donc bon... Voilà, hein, vous m'avez compris. Donc là, nous sommes plus sur une coque qui est rigide, qui serait en plus du style caoutchouc anti-choc, d'accord. Donc après, c'est encore une fois, c'est à voir. Mais ça a l'air intéressant quand même, cette coque, et les avis, encore une fois, sont plutôt positifs. Passons à la quatrième coque, qui est une coque en style bumper. Alors celle-là, je l'aime bien, parce qu'elle est très simple, ok. Elle fait élégante, mais surtout, vous savez que les iPhones, en vrai, ils ont un beau design, ils sont en général élégants, d'accord. Bon, après, ça dépend des goûts de chacun, mais la plupart, en tout cas. Du coup, voilà, vous imaginez cette coque sur votre iPhone 5S, ou SE, ou 5, tout simplement. On va pas se le cacher, le design de l'iPhone 5S, le 5S, le 5 ou le SE, il a quand même un beau design à l'arrière. Et genre vous mettez ce style de coque qui est transparent, donc avec des contours noirs en style bumper. Bien évidemment, ça dépend de la couleur, hein, vous avez or, etc. Je pense que honnêtement, ça pourrait vraiment super bien le faire. On est sur une marque quand même, ça va, c'est pas non plus, voilà. Et les avis sont assez positifs encore une fois. Nous sommes sur du 6€, donc c'est plutôt cool. Je voudrais rajouter par contre une petite chose, c'est que là, ça marque livraison gratuite dès 25€ d'achat, donc à faire attention par rapport à ça, d'accord les gens, à part si vous possédez donc Amazon Prime ou pas, je ne sais pas, mais après encore une fois, si vous achetez ça plus d'autres produits, normalement vous devrez vous en tirer, hein, il n'y a pas de souci. Après ça dépend à combien est la livraison, mais j'aime bien ce style, voilà, c'est assez simple, c'est élégant, et du coup ça a son côté transparent, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est ça que j'adore. Moi en général, quand je prends des coques, en général, hein, elles sont transparentes, pour qu'on voit justement le design de l'iPhone, parce qu'en vrai, le design d'iPhone, c'est assez joli. Moi je suis sur un iPhone 7, il est magnifique. Bref, donc nous avons plusieurs coloris, hein, du green, nous avons du HD clair, du noir, du or et du or rose, d'accord. Voilà, passons à la cinquième et dernière coque. Donc c'était le top 5 des coques d'iPhone 5, 5S et SE. N'oubliez pas donc de mettre le petit like et votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Du coup, nous sommes sur un style de coque que j'aime énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les coques où il y a des petits dessins, des petits designs, machin et tout, c'est assez sympa. Donc bien sûr, il y aura des designs qui vont peut-être faire plus filles et d'autres plus garçons, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous montre ce style de coque qui est assez sympa. Bon, mais pour ceux qui sont amoureux des ananas, bah écoutez, hein, ce style de coque, en vrai c'est sympa, ça fait fille, mais c'est sympa, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une coque donc en silicone, elle est plutôt rigide, mais elle est bien sympathique quand même avec ses petits coloris comme ça, c'est assez cool. Donc on nous dit rigide, flexible, ça va dépendre en fait, ça va dépendre. Mais sinon dans l'ensemble c'est très bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc vous avez vraiment plusieurs coloris, hein. Vous pouvez voir, vous avez plusieurs dessins qui sont assez cool. Ben, tenez, d'ailleurs, si vous avez vu mes dernières vidéos par rapport aux coques, il y a exactement ce même design sur une coque que j'avais conseillé pour un autre iPhone. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs coloris et c'est ça qui est sympa.
Moi, j'aime beaucoup ce style, hein, franchement. D'ailleurs, j'aime énormément celui-là. Il était très sympa. Donc après, à voir. Voilà, c'est pas des... C'est, vous voyez, c'est des coques qui vont passer partout quand même. Bon, peut-être moins les ananas, j'en sais rien. Mais le style de dessin, etc., comme ça, par exemple... Ouais, bon, c'est peut-être un peu trop voyant, je ne sais pas. Ça dépend de chacun d'entre nous, bien évidemment, et de nos goûts, hein, y a pas de souci. Mais c'est quand même assez sympa. Ils ont un truc pour les ananas, par contre. Hein, c'est un truc de ouf, hein. Y a que des ananas... Putain, il y en a des ananas. Non, mais moi, j'aime beaucoup le style. C'est vrai que c'est sympa. J'aime beaucoup. Donc moi je vous conseille en tout cas ces coques là. Donc voilà, donc la vidéo est déjà terminée. Voilà, donc en tout cas si la vidéo vous aura plu, il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Donc n'hésitez pas donc à mettre le like et de me donner votre avis dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, d'accord. Donc j'aimerais vraiment que vous postez un petit avis. Je réponds à tous les avis. De toute manière, je vous réponds à tous. Il n'y a aucun souci. Je reste assez proche de ma communauté. C'est tout à fait normal. Et donc voilà. Donc pour rappel que ces coques sont à moins de 20€, d'accord. À part si le prix Amazon change, que ces coques donc ont un avis plutôt positif, majoritairement positif, que je vous les conseille et je vous les recommande, que vous pouvez les que ça peut vous donc vous donner des idées pour vous en acheter une pour vous ou pour offrir, on sait jamais, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc n'oubliez pas donc de mettre le petit like, le petit commentaire comme j'ai dit, d'accord. Hein, on n'oublie pas la petite notification, ça serait cool. Me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens, vous savez qu'ils sont tous dans la description, d'accord, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bienvenue au nouveau d'ailleurs, merci pour les 2615 ou 2620, pardon, je ne sais plus exactement, ça augmente tellement, mais voilà, donc merci à tous et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.